Alors aussi, mes records seront de meilleure qualité, j'espère en tout cas. Parce que j'ai changé quelques paramètres. Mais du coup, par où on commence? Je commençais par les temples qu'on a déjà fait. Déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'aller au temple du feu, parce qu'il y a un quart de cœur qui est planqué. Et il y a quoi aussi avec le quart de cœur? Une sculptula aussi qu'on peut choper grâce à l'épouvantail. On va faire ça tout de suite. On va faire le boléro du feu là. Comment on fait déjà? Comme ça, on fait comme ça, boléro du feu, je me rappelle plus ce que c'est. Erlerl, ir ir, ah oui c'est vrai. J'ai failli faire ça, faire une petite mélodie assez fluide, mais non, je me suis un peu foiré. Putain, il fait beaucoup trop chaud! T'inquiète, c'est pas un problème ça. Il faut s'habiller froidement du coup. Bon, alors, première énigme déjà. Je sais pas si on va vraiment pouvoir la faire ici. Donc réfléchissons. T'as, je crois, un quart de cœur là-haut. Comment le choper, j'en sais rien, parce qu'en tout cas on avait essayé la dernière fois avec le grappin, ça avait pas marché. Ça va servir un peu de notre cerveau là. Tiac! Putain, mais où? Ah mais attends, peut-être que ça passe ici, non? Non? Ça devrait passer. Je sais pas, j'ai l'impression que ça passe. Peut-être que non, hein, mais... Genre ça passe pas, tu dis comment? Je suis sûr, il y a un moyen. C'est pas possible. Ou alors, c'est peut-être au grappin, non? Au grappin au boomerang? Mais je le touche, là, c'est pas possible. Je le touche. Non, non, c'est ouf. Je trouve ça ouf qu'on puisse pas l'atteindre. Peut-être avec les choses... Les choses qui nous font voler. Je me dis, on fait chose qui nous fait voler. Plus grappin. Ça devrait passer, même si c'est un peu cheese. Hein. En vrai, le cheese. On n'est pas des spécialistes du fromage, nous. Je crois qu'on est un peu spécialistes. Hein. Donc, genre, l'idée, c'est ça. J'équipe les bottes, là. Puis après, dès que je me sens assez proche, j'utilise le grappin. Je vais essayer comme ça, hein. Ah ouais, mais t'es pas en première personne. Putain, c'est compliqué, hein. Bizarre cette histoire, parce que je pense pas que t'as vraiment un item qui va te permettre de le choper, hein. Pour moi, y'a que le grappin. Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait m'aider à l'atteindre, ce foutu quart de cœur. C'est bizarre cette histoire, hein. Honnêtement, c'est très bizarre. Je sais pas, ça sort d'un volcan. Qui va foutre un quart de cœur là? À quoi ça servirait en vrai? À quoi ça servirait? Je sais pas, il doit y avoir un tremplin, un truc. Sinon, je vais tricher, hein. Juste pour l'avoir, ce foutu quart de cœur, je vais tricher. Ah, tu te fais repousser. C'est vrai qu'on ait plus de chance à l'atteindre d'ici. C'est trop bizarre cette histoire. Hein. Alors là, je sais pas. Jusque là, c'est un peu l'inconnu. Puis t'as pas vraiment moyen de planer jusque là-bas. Même avec les bottes, donc... C'est trop chelou. Sauf si t'es un speedrunner. Si t'es un speedrunner, en gros, ça c'est pas un problème. Vu que tu peux faire un tas de trucs avec des techniques de ninjutsu, là. Le ninjutsu de speedrunner, tu peux faire juste ce que tu veux. Il n'y a aucun obstacle quand t'es un speedrunner. Mais moi, voulant faire le jeu dans la norme, bah je peux pas. C'est con pour moi, mais c'est comme ça. Bon,
pas, y a peut-être moyen de l'atteindre autrement. Tiens, y a un trou là. Là, si je rentre. Ça m'étonnerait que ça m'aidera à rentrer dans le volcan. Tiens, salut les gars. Ah oui, c'est vrai, eux, tu peux les... Ouais, non, ils sont pas importants. Là. On s'en fout. Ah, attends, je crois que je sais. Attends, je crois que j'ai peut-être figé. Ah non. Je sais pas, j'espérais pouvoir m'accrocher. Pourquoi est-ce que ce serait aussi compliqué, sérieusement? Pourquoi ce serait compliqué? Attends, mais si ça se trouve, menti de la vérité. Peut-être qu'il y a quelque chose de caché. Est-ce que ça, ce serait pas perspicace? Est-ce que ça cacherait pas un secret, au final, dont on ne saurait pas l'existence? Mis à part qu'avec la lentille de la vérité, ça nous serait dévoilé. Je sais pas pourquoi pas. On va essayer. On va se mettre bien en haut. Non. On a pas l'air d'avoir. Y'a rien. Y'a rien du tout, ouais. Putain, c'est quoi ces conneries? Je vais réessayer. Je m'en bats les couilles. J'ai eu mon alerte ou quoi? Putain, mais ok. C'est le chômage du bot. Tant pis, qu'est-ce que tu veux. Tac. Y'a que dalle. Vas-y, je vais libérer ce qu'il y a là, je m'en rappelle plus. Peut-être que ça va m'aider, hein, qui sait. Je sais pas, hein, peut-être que je l'ai jamais fait. Bon, de toute façon, on n'est pas venu que pour ça non plus. Ah merde, il y a vraiment besoin d'une bombe, quoi. Oh, normalement, s'il y a besoin d'une bombe, j'ai déjà dû le faire. Normalement, moi, j'explore tout. J'explore tout, il n'y a pas moyen que je passe à côté de ce truc sans rien faire. Je sais pas, si je rappuie sur la bombe... Oh merde! Je pensais que ça allait être plus pratique. Super, là. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc qui nous manque. C'est de ces trois pouvoirs, il nous en reste un. Il nous en reste un, c'est un truc bleu. Putain, mais Link, mais s'il te plaît, quoi. C'est pas serré de ses mains ou quoi? Ça se trouve, on a besoin de ça. Ça se trouve, on a vraiment besoin de ce truc bleu pour voler. Tu vois. Est-ce qu'on peut réellement voler avec ce truc? I don't know. Bon, vas-y, tu sais quoi? Ça a l'air d'être trop mystérieux pour nous. Je pense que je me renseignerai sur Google. Mais on fait pas ça tout de suite. D'abord, je vais checker l'intérieur du temple pour faire la sculpture là qu'on avait loupé la dernière fois. Tac. Qu'est-ce qu'il me faut? Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Merde. Voilà. Oh. Putain, fais chier. Bon, comment on fait pour que le bot il nous écoute? Ah ouais. Putain, les genoux. La santé des genoux de Link, là, on l'a détérioré. Oui. Bon, alors, déjà, où est-ce qu'on veut aller? On veut aller par là. Il me semble que c'est tout en haut. Tiens, je vois même un truc là-bas. Je crois qu'on l'a déjà atteint. Normalement, c'est un bloc qui saute et tu peux casser des crocs dedans. Bon, déjà, on va vérifier si on a bien toutes les sculptures là ou pas. Parce que si ça se trouve, j'y vais pour rien. Peut-être que dans mes souvenirs. Carte. Genre. 4. Déjà, quatrième étage, on est passé à côté d'un truc, donc à côté d'un coffre. Quatrième étage, donc faut qu'on aille à fond au quatrième. C'est quoi, raccourci des TGM. Putain, bien sûr.
Putain, faut vraiment refaire toutes les énigmes là. Qui c'est qui a remis le bloc à sa place? Je veux son nom. C'est une chauve-souris? Qui a poussé là. Oh yeah. Ah le con. Oh le con. Oh le con. My bad. Oh le con. Bon, voilà. Mais en fait, il faut pas que je fasse ça tout de suite. Faut d'abord que je sois là, que je pousse le bloc, et après je rappuie sur l'interrupteur. Il faut que je le pousse aussi à gauche. Putain, c'est chiant à tout refaire quoi. Les trucs qu'on a déjà fait, faut refaire. C'est chiant. Ça, on maîtrise. C'est pas au courant chez Nintendo là qu'on maîtrise. Je crois, hein. Attends, je crois que c'est comme ça. Puis après, je sais plus s'il faut utiliser le grappin. Il me semble que non. On va voir, on va checker. C'est quoi, j'utilise ça? Ok. Bim bam boum. Ok, c'est bon. Ce que j'avais pas fait. Bim bam boum. Monsieur l'arbitre! Ça marche pas ça? Ouais, je comprends pas. C'est quoi ces conneries? J'en peux plus. Ok, bim bam boum. Tac. Donc après tu sautes là. C'est un peu speedrun là. Ah mais parce que je suis trop con! Putain, j'ai oublié le truc. Là c'est quoi la new PFP? PFP profil. Quoi? Commencez pas les abréviations, ça va m'énerver. Hein, vous parlez français s'il vous plaît là à la fin. Pareil ça. Et ça me fait faire des conneries là. Parce que en gros je l'ai changé. Alors je crois savoir à peu près de quoi tu parles. Je l'ai changé à deux endroits. Je l'ai changé à un endroit confidentiel que je veux garder pour moi. Et je l'ai changé aussi à un autre endroit où c'est sur Twitch. Donc si tu parles sur Twitch, bah écoute, j'avais déjà ça aussi sur mon Discord. C'est un truc que j'ai généré grâce à l'intelligence artificielle. Du coup, c'est trop classe. C'est moi en pirate. C'est grâce à... Comment ça s'appelle déjà? Midjourney, si tu connais. Midjourney, c'est trop bien, ça te permet de créer de l'art. C'est moi, ouais. Plus ou moins, en gros, c'est moi en mieux. Moi en artistique, si tu veux. Que ça te ressemblait un peu. Ouais, ouais. C'est... En gros, tu lui donnes une image de toi, puis après, lui, il peut faire de l'art avec ta tête. C'est trop stylé. Franchement, et si tu veux t'en servir, tu peux. Hein. C'est sur Discord. En gros, il faut que tu tapes Midjourney sur Google. Après, qu'est-ce que tu fais? Après, en gros, t'as la plateforme, normalement, sur Discord, direct. Et une fois que t'es sur la plateforme... Putain, mais ce rocher de merde, d'où il fait des allers-retours comme ça, là? Et une fois que t'as le truc sur Discord, en fait, tu peux parler avec le bot. Mais après, le souci, c'est que, en fait, t'as des rooms qui sont partagés avec tout le monde. Donc du coup, si tu vas voir ton art, entre guillemets, grâce à Midjourney, et bah tu vas partager ça avec tous les gens de la room, en fait. Après, il y a un moyen payant qui te permet de directement parler avec le bot. Ce que j'ai fait, parce que je compte m'en servir pas mal. Je me suis abo pendant un an à ce truc. Parce que c'est cool. Putain, fais chier, merde. Je me rappelle plus de mon objectif. Ça paraît, ça. Mais c'est vraiment cool, hein. Tu devrais t'en servir, ça...
Ça montre en quelque sorte la puissance de l'IA, ça c'est insane. En vrai c'est insane. Bientôt on sera remplacé par les machines, je te le dis. C'est presque inquiétant. Enfin c'est inquiétant. Même. Mais il me fait des trucs lui. Non mais ça c'est l'intelligence artificielle qui évolue, ça c'est pas possible. J'en peux plus. L'intelligence artificielle, elle évolue partout. De malade. Ouais ça a buzzé en ce moment, je sais pas pourquoi, parce que ça existait depuis longtemps. Putain fais chier merde mais. Regarde, il va me défoncer, je vais me mettre sur le côté tu vois. Le rocher il va me rouler dessus. Bref. Et du coup si tu veux te servir du bot, en gros tu fais slash prompt. Et puis après tu mets imagine. Et après, tu lui dis en gros ce que tu veux. Donc, tu peux lui dire n'importe quoi. Hein. Tu peux lui dire je veux un chat musclé je sais pas, un temple Maiori, ou je sais pas quoi. Tu dis n'importe quoi, et puis lui, il va te faire le truc, tu vois. Il va en quelque sorte te modéliser ton idée. C'est vraiment ultra puissant. Oh shit. Mais du coup, attends, j'aimerais savoir où est-ce qu'elle est, ma foutue là. Oh le fils de. Voilà, c'est bon. Tac tac. Texte image en quelque sorte. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, alors après, si. Si tu veux vraiment utiliser le logiciel du mieux que tu peux, t'as vraiment genre des commandes ultra précises que tu peux faire pour donner une idée au bot de ce que tu veux réellement et très précisément, tu vois. Mais c'est assez poussé. Les prompts, des fois, ça peut être un énorme paragraphe. Donc, tout dépend de ce que tu veux faire sur Imagine, sur Midjourney, je veux dire. Du coup, le bot il a marché ou quoi là ? Ouais, il a pas marché, putain, le bot il refuse de fonctionner. Bon, alors, faut que je me concentre parce que là, j'ai prévu de défoncer une scutula ici, puis après de partir et de faire un autre temps. Mais je trouve pas le délire. Dégagez ! Super, super. Donc, en gros, si j'ai bien compris, parce que je me rappelle, hein, j'ai déjà fait ce temps, j'ai déjà torché, ça ne devrait pas être une difficulté pour moi. Il faut que je sois au-dessus. Et après, mais de toute façon, je peux peut-être me servir des choses. Des choses de gravité, anti-gravitationnelle, je m'en fous pas. Pour arriver de l'autre côté. Parce que je me rappelle plus exactement comment t'arrives là-bas. Normalement, t'as accès à quoi dans ce foutu temple? T'as accès au marteau, t'as toujours accès au grappin. Le grappin, tu l'as depuis le début. Et t'as accès à quoi aussi? Aux bombes. T'as accès aux bombes. Donc ça m'étonnerait que ce soit les bombes ici. On peut grimper là, donc c'est cool. Je pense que je peux y arriver avec les choses qui me font voler là. Je pense que je peux. Vas-y, je teste. Vas-y, je vais cacher ça. Bim bam boum. Et c'est parti. Ouais. Putain, mais c'est quoi ces conneries là? J'ai un objet, il me sert presque à rien. Les bots là, je sais pas, il n'y a que les speedrunners qui peuvent s'en servir correctement. Moi, je trouve que l'objet a aucune utilité, mis à part dans le temps de l'ombre. Bon, après, je suppose que dans le prochain temps, il y aura une utilité aussi. Bon, réfléchissons, je me rappelle de rien là, c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Ah, il doit y avoir un interrupteur. Je crois qu'il y a un interrupteur dans le coin. Alors c'est peut-être pas nécessairement dans le coin, c'est peut-être derrière cette porte. Oh putain, je viens d'y aller en plus, je suis trop con. Bon. Parce que je sais que le truc qui m'intéresse, c'est dans la dernière salle au quatrième étage. Il faut vraiment que j'aille tout en haut. Pourquoi ce jeu il est dur? Non, en vrai, à ce qui paraît, ce Zelda, c'est pas le Zelda le plus dur qui existe. Il y en a qui disent que les Zelda qui sont durs,
c'est les très très vieux. C'est ceux qui sont en 2D. Hein. En 2D vu du dessus, ceux-là, c'est monstrueux à cette époque. Je vais me mettre comme ça. Peut-être que c'est la plateforme, là. Peut-être que cette plateforme, elle monte, non? Ah, peut-être qu'attends. Non, mais en fait, c'est ça. Je crois qu'en fait, il y a un interrupteur en haut. Derrière cette porte, là. Là, c'est la porte du dessus. C'est pas celle où j'ai grimpé et je suis redescendu. Celle-là, c'est un piège à con. J'arrête pas de me faire avoir parce que j'oublie ce que j'ai fait. Mais voilà. C'est cette porte-là qui est importante. Mais attends, c'est pas où je voulais. Non, c'est pas là. Mais il y a même pas d'interrupteur ici, qu'est-ce que j'ai. Attends, il regarde au-dessus, la Link. Oh. Je sais pas, il y a Navi qui s'est excité, peut-être que... Ah, bah voilà, c'est bon. Problème résolu. Alors maintenant, faut invoquer l'épouvantail. L'épouvantail, comment on l'invoque déjà? Je sais plus. Voilà, c'est AX. En gros, tu peux inventer une mélodie et puis lui, il va s'en souvenir. Voilà, let's go. Bien. Tac. Boum. Et on s'accroche. Ziclap. Oh, voilà. Oh. Ok, let's go. Ascenseur. What the fuck. Voilà. C'est bon. C'est bon, enfin je peux faire le truc. Et il y a une sculpture là. Alors maintenant faut la trouver la sculpture là. Attends, non, je peux grimper avec le machin. T'as vu ça mec? Le gaming. Putain, t'as entendu le son là? Faut que je refasse. Hein. Parce que tous mes sons ils ont un effet de réverbation. Des fois tu les entends mal. T'as perdu 10k. Ah non, t'as perdu 2. Sors d'où? En fait, j'ai mis de la réverbation, comme ça paraît plus naturel, mais des fois tu les entends pas. Ouais, il y a toujours les sons sur mon stream. Hein. Quand il y avait un. Oh putain, il y a deux sculptures là! La vache! On est où? Putain, c'est la fête à la sculpture là. Je l'entends, là. Je sens sa présence. Je la sens. Je sais pas exactement où elle est. Eh, du coup, Johnny. Tu sais, perdu un câble. Ça va, toi. Attends, tes modos, mec, tu les regagnes. Tu gagnes 10 fois plus en restant ne serait-ce que 10 minutes sur le stream. Alors. T'es bien payé ici, t'inquiète. Tac. Je l'ai entendu, la sculpture là, tout le monde l'a entendu, hein. Moi, le premier, je l'ai entendu, elle était quelque part par là. Ah, peut-être l'antique de la vérité. Peut-être, je me dis. Les secrets sont bien cachés. Toi, du son, c'est G.O.L.P.E.C. Bah, en fait, il y a des sons, tu peux les... Ah, putain, elle est là. Il y a des sons, tu peux les faire sans faire gaffe. C'est-à-dire qu'il y a des mots, par exemple, que j'ai fait exprès. Bah tiens, voilà. Là, par exemple, t'as écrit un A espace. Le A espace, ça fait le A de Denis Brognard, tu vois, en réverbation. Donc, j'ai fait exprès que de sanctionner les gens qui écrivent mal certains mots. Genre, par exemple, mais bon, là c'est un peu de la merde, je trouve, pour le A. Parce que suffit que t'aies un A dans ton message et puis ça fait direct un son, tu vois, donc c'est un peu de la merde. Je pensais en gros que c'était juste le truc individuellement, moi. Du coup, je crois que c'est bon. On a toutes les sculptures là, non? Est-ce qu'on a toutes les sculptures là? Même pas! Quoi? On a même pas toutes les sculptures là? Non. Ah non, là, par contre, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. Attends, mais quatrième étage, j'y étais. Là, je suis en train de redescendre. Non. Je vais rester au quatrième étage parce que ça a l'air d'être bien mystérieux, là. Il a l'air d'avoir des choses. Sur le mur! Putain, la vache, c'est quoi ce délai, là? Je vais recevoir les messages demain, peut-être? Je sais pas. Tac. Je sais pas, c'est bizarre qu'il y ait autant de délai. Peut-être Mako aussi, hein, je sais pas.
Alors, tac. Donc ça, c'est pour le machin. Et après, il faut rusher. Oh putain, non, je vais rester dessus. Parce que, ok, je crois que j'ai compris le délire. J'ai compris ce que Nintendo veut qu'on fasse. Non, vas-y, on reset. J'ai chié dans la colle. J'ai chié dans la colle. Tac. Bien. Bim. Et après, tu fais bam. Oh! Que j'allais mourir. Quoi? Mais non! Mais c'est quoi ces conneries là? Après, il faut que tu rushes. Hein. C'est abusé. Donc en gros, t'es sur interrupteur direct, bim bam. Oh yeah. Alors. Putain, faut être un speedrunner là. Puis pourquoi il glisse? Eh, no joke, j'ai des pulsions là. Putain, ça c'était vraiment un piège à pute. Oh, mais putain. Bon, allez, j'en ai plein le cul là. Là, honnêtement. Ça casse les couilles. Putain, ça m'énerve. Oh là là là. Zéro dégâts de chute. Non, y'a rien. Mais après, tu sens que Link, il a mal. Il a la douleur. Ouais, c'est vrai qu'il subit bien les dégâts de chute. Ouais, putain, fais chier. Ce temple, mais... Je sais pas. Hein. Y'a des temples, tu sens vraiment le vice. Le vice de Nintendo, là. Le pire, c'est le temple de l'ombre. Alors là, le temple de l'ombre, les respawns qu'il y a, mais c'est trop sale. Putain de chauve-souris dans l'air. Ah ouais, sérieux? Mais alors, j'ai envie d'y jouer aussi. D'ailleurs, j'avais envie d'y jouer ce soir. J'ai envie d'y jouer ce soir. Mais. Finalement, j'ai fait du zapping parce que j'ai envie d'y jouer aussi. Mais j'y jouerai incessamment sous peu, je pense. Mais ouais, ça a l'air trop... Oh, par contre, ça a l'air d'être hyper dur. Ça a l'air d'être vraiment chaud, comme jeu. Oh putain, il y a tout à refaire. Oh là 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 là. Non, mais c'est abusé, hein. C'est chaud de fou, la mort. C'est... En fait, j'ai l'impression que c'est un mélange de... Chivalry Mordo, et encore, je trouve que c'est plus dur. Avec de la magie, de l'archerie et tout. Et en plus, tu fouilles les donjons. C'est vraiment stylé, hein. Franchement, c'est vraiment classe. Mais... Oh putain, je suis trop con. Faut que je tire sur le bloc, hein. Ouais, ça a l'air vraiment d'être chou. Surtout, moi je me rappelle, le premier zombie que j'ai essayé de buter, mais il m'a défoncé. Le pire, c'est que tu peux... Tu peux 3v1, là... Je me rappelle, le matchmaking avant, était tellement pourri. Tu pouvais te faire 3v1 par une pre-made, et toi, t'es tout seul, tu vois. Alors peut-être qu'ils ont changé ça, à mon avis, vu que c'était une bêta. Là, c'est toujours en bêta, d'ailleurs, je pense. C'est... Ou alpha. Non, c'était pas une bêta, c'était une alpha. Non mais faut que j'arrête de faire ça. Tac. En gros le truc, c'est l'interrupteur ici. Bim bam boum. Ça se cache sous la rue avec du Escape from Tarkov. Ouais c'est ça. En gros il y a un petit aspect où tu meurs, tous tes objets tombent par terre, tout le monde peut ramasser ton stuff. Et ah, aussi t'as du commerce je crois, donc tu peux échanger tes items. Ça c'est assez cool. Le
qui le fout les contrôles, ça rend tout drôle. Je pensais qu'ils avaient amélioré ça, parce que quand j'ai regardé certains streams, bah, j'ai regardé les streams d'aujourd'hui, d'un gars soi-disant pro. En gros, c'est un pro de Mordo qui s'est mis à jouer au jeu, puis il joue hyper bien. Et du coup, lui, je le regardais jouer et je sais pas. En le regardant jouer, je me dis, mais ça a l'air moins scuffed qu'avant. Avant, les contrôles, c'était. C'était chaud. Hein. Après, je me fais défoncer la bouche. Alors, vas-y, je vais. Je crois que c'est à gauche. Tac. Alors, tu dois vendre des objets de valeur à la fin du jeu pour ensuite acheter et avoir du gear direct après. Ah ok, sans attendre, sans doute. C'est le meilleur truc à faire. T'as un camion quoi, les mouvements sont lents, mais c'est trop drôle. Ouais ouais, c'est hyper lent. J'ai vu aussi, je sais pas si tu connais le streamer, comment il s'appelle déjà ? Co-carnage. Et du coup, lui, il a réussi à tuer une pre-made juste avec sa hache. Il spammait full clic gauche et il a réussi à défoncer toute une pre-made. Je crois qu'il y avait un mage dedans. Il n'arrivait même pas à casser ses spells. Il arrivait direct au corps à corps en mode sneak. Et il les a juste défoncés en 3v1. Le type, il est pas bon. En gros, c'était v'la mauvais à ce jeu, mais tu peux être sûr que tu vas te faire fermer le cul par le premier pleb qui te clique gauche la gueule là, qui voit pas le coup arriver. On se faisait turbo laver, mais moi c'est pareil. Moi je me faisais laver même par le PVE. Hein. Alors, si je suis ici, comment on avait fonctionné la dernière fois? Attends. Est-ce qu'il faut vraiment être là? Ah oui, 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 épouvantail! Putain, je suis con. C'est épouvantail ici. Putain, j'en reviens pas que je suis tombé tout à l'heure là. Ça m'a fait rager le truc. Bon, vas-y. Je vais invoquer l'épouvantail. L'épouvantail. C'est comme ça? Tac, bim bam boum. Erler. Non, 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 c'est pas ça. Ah oui, non, non, c'est vrai. C'est pas un son qui est marqué. C'est quoi déjà? Ouais, c'est AXAXAX. Faut spammer. Nous aussi, le PE nous arrache. Le pire, c'est les petites araignées là. J'ai vu. Petites araignées de merde là. Non, remarque, celle-là, ça va, non? Moi, c'était les zombies, moi, qui me faisaient flipper. Hein. Les zombies, ils étaient chauds. Hein. Tout était chaud. Y'a quoi aussi comme monstre? T'as aussi des boss à tuer. Le meilleur, je pense, honnêtement, hein, je pense que la meilleure classe que tu peux jouer dans le jeu, c'est peut-être Archer. Archer, ça a l'air d'être assez ouf, je pense. Parce que tu peux kite et... Je sais pas. Après, les mouvements ont l'air d'être assez... genre, si tu veux dodge les attaques des ennemis, il faut vraiment comprendre les mouvements dans le jeu. Parce que c'est quand même assez précis. Tac. Vas-y. Bon, là... Là, on le fait, là. C'est bon, là. Ah, je sais ce qu'il faut faire. En fait, il faut grab après... le coffre. S'il te plaît, Link. Voilà, après, il faut grab le coffre. Non ? Oh, let's go! Putain, le clutch! Putain, merci pour l'argent, quoi, mais j'en avais pas besoin. Je m'en bats les couilles de ce rubis, là. Putain. Je fais tout ça pour un vieux rubis de merde. Fais chier. Bon, ça m'arrive pas. Qu'est-ce que je fais? Je me jette dans vie. À la gueule de foire, là. Oh, le dodge! Je ne meurs pas, hein. Je ne meurs pas de cette chute. Ça, c'est du turbo game, t'as vu ça? C'est du speedrun. Turbo speedrun. Oh merde, putain, je peux sortir. Bon, du coup,
Le jeu nous dit qu'on a toujours pas fini. Hein. Donc moi là, je sais pas. Hein. Est-ce que je me spoil? Est-ce que genre je mette de Google? Parce que là, les sculptures là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Hein. Moi là, je suis pas passé à côté d'un truc. J'ai pas eu l'impression d'être passé à côté d'une sculpture là ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais de l'ami Google. Any%. Alors là, mon Any%. Je sais pas, c'est genre 200 heures de jeu. Je sais pas combien d'heures j'ai sur Zelda, mais je pense pas que j'ai 200 heures. On va avoir moins de 100 heures. Peut-être 80 heures et 1%. Tac. Mais après, je compte vraiment tout finir, donc c'est pas du Any%, c'est 100%. Moi, je veux vraiment avoir tous les quarts de cœur et tout. C'est l'objectif. Peut-être ici, attends, fais voir, j'ai pas checké là. Attends, il y a une salle aussi que j'ai pas checké. Et. Enfin, c'est pas que j'ai pas checké, mais je suis pas resté trop longtemps, c'est celle-là. Tu joues un peu archer. Alors, t'as essayé mage. La magie, c'est pété, hein. J'ai vu des joueurs, genre. One shot un gars avec une boule de feu là. J'étais plié de rire quand je voyais ça. Je me suis dit, putain, mais mage, ça va être trop marrant. Ok, là y'a rien. Y'a que cette salle. Ah, ok, après ça continue ici. Ouais, c'est une forte merci que j'ai créé. Tu m'étonnes. Ça avait l'air ouf, mage. Ça t'énerve, putain de merde. Ouais, parce que quand je voyais avant quelqu'un jouer mage, s'il arrivait à te toucher avec sa boule de feu, c'était fini. Surtout en plus, ton perso n'est pas hyper rapide, donc pour esquiver une boule de feu qui arrive à. Je sais pas. Pleine vitesse sur toi, ça a l'air d'être. Pareil aussi, c'était archer. Archer, au moins, ça fait moins de dégâts. Archer, c'était moins pété. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais m'aider de Google. Hein. Je vais m'aider de Google. Hein. J'ai besoin de Google. Parce qu'en gros, je veux faire toutes les sculptures là avant de faire le temps des esprits. Oh putain, j'en peux plus de ces chauves-souris à la cour. Vas-y, je vais mettre dans un coin safe. Je suis sûr de pas me faire enquiquiner. Ou au pire, je les tue toutes. Hein. Donc, temple du feu. C'est quoi ? Temple du feu, c'est. Le donjon, il est heureux de vous revoir. Donc, temple du feu, sculpture. S'il y a une vidéo, je suis preneur aussi. Hein. Les vidéos, c'est mieux, je pense. 100% Zelda Master Quest. Ah ouais, non, Master Quest, non. Dungeon Sculptulas. Oh, lui, il a l'air de toutes les faire. Je check. Temple du feu, tiens, c'est en français en plus. Ok, donc la première chose qu'il fait, c'est aller à droite comme j'ai fait. Donc il y avait une sculptula, donc ouais, jusque là, ça va, je le suis. Ensuite, il va à gauche. Il va être rouge dans la grande salle, donc ouais, ça, là, je l'ai fait, c'est sûr. Moi, toutes les salles qu'il y a à explorer, je les ai faites. Oh. Ok, il y a le bloc là qui se fait propulser. Ça, je maîtrise. Le bloc à attirer, ça, ok. Donc après, ouais, je suppose qu'il va faire ce qu'il avait déjà fait. Peut-être que c'est bloqué aussi. Jusque-là, j'ai fait tout ce qu'il a fait. Il saute, boum, ressaute. J'ai l'impression qu'il est speedrun, mais celui-là. Alors, il fait du turbo gaming. Ouais, il rentre, et il a fait. Il se casse, ok. Ben, je crois que j'ai fait tout ce qu'il a fait à lui, hein. Sans exception. Bon, je vais manger un bout, et maté. Finland Saga. Ok, je vais commencer de passer de bon manger à toi, je veux dire. Tac. Bon, moi, je suis toujours en quête de mon truc. Alors, bon, après, il y a aussi le quart de cœur. Hein.
Vador, mais attends, sinon. Je vais aller sur Super Solus. Super Solus, ça a l'air d'être mieux, ça. Temple de la forêt. Ah oui, il fait toutes les structures à détente. Le puits, je les ai faites, je crois. Ah non, peut-être pas toutes. Temple du feu, donc 1 sur 5. Dans les salles au rocher mobile, détruisez le mur situé dans l'alcove au nord-est pour trouver les sculptures. Ça, je l'ai pas fait, ça. 2 sur 5 dans la salle au rocher mobile. Si, je l'ai fait, ça. À l'étage de la même salle, jouez le chant des couvertails. Ça, c'est bon. Les sculptures. Ça. Nord-est. Attends, dans l'alcôve situé au nord-est. Ça, je suis curieux, ça me dit rien. Ça me dit pas grand chose. Ah merde, pour sortir, c'est par là. Je crois. Qu'est-ce qu'on veut après? Donc ils disent au nord-est l'alcôve. L'alcôve, qu'est-ce que c'est que ça? Nord-est, donc c'est ici. Ça j'ai déjà dû le faire. Bah ça j'en suis sûr, je l'ai fait. Attends, mais ils ont dit alcôve. À quoi alcôve? Je maîtrise pas tout le vocabulaire. Non, c'est bien ça, nord-est. Nord-est. Ouais, c'est là. Hein. Ouais. Et pourquoi ça jump? Voir ce bloc. C'est un peu un mystère, ce bloc. Là. J'essaie de comprendre pourquoi ce bloc il saute. C'est quoi? C'est pas grave. Je vais rentrer dans la salle là ici. Ouais, donc ça c'est une porte que tu démolis. Et du coup derrière t'as forcément une sculpture là. Ça je me rappelle. C'est pas possible que je l'ai pas. Non, y'a même pas de sculpture là en plus. C'est juste libérer un gourou. Pom pom pam pam pom 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 pom. Toc. Vas-y, on va faire le tour. Moi, de ce que je comprends, ce serait plus par là. Fais voir, c'est un truc. Peut-être qu'ils confondent l'est et l'ouest, hein. Dégage. C'est plus moi, je pense. Donc là, ça va jump. Et ici, t'as des. Bon, des murs invisibles ou quoi que ce soit. Je sais pas. Après, peut-être que. Il y a des choses à refaire parce que, à cause d'un problème de sauvegarde que j'ai pu avoir, peut-être que une scutula que j'ai oublié, peut-être, hein, je sais pas, je me dis ça. Ah, c'est vrai, c'est au-dessus, je suis con. C'est au-dessus, il faut faire le champ là. Il faut faire le champ pour que le bloc il descende. Et peut-être que c'est ça, hein.
Tac, alors, vas-y. C'est parti. Donc, on fait le chant de... pas d'Epona. Peut-être chant... Attends, c'est pas chant des tempêtes, non? Chant de Saria... C'est quoi, déjà? C'est chant du temps. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, d'ailleurs. Parce que, je sais pas, les temples qu'on fait... demandent plus de faire ce chant. Bizarrement. Ils ont un peu oublié. Voilà. Normalement, c'est la dernière. Normalement. S'il y a rien... Ah bah s'il y a rien... on les a tous. Normalement, c'est bon. Et je vais retirer. Donc ça, c'est bon. 4 sur 5, 3 sur 5. À l'étage de la même salle, jouez le chant d'épouvantail, donc ça j'ai fait. Par laquelle vous êtes arrivé, puis agrippez-vous à Pierre, qui apparaît juste au-dessus. Lancez ensuite le grappin sur la plateforme en face et franchissez la plateforme sous l'étage pour trouver la structure. Ça c'est ok. La position de la structure précédente, escalade grillage, passez la porte de la porte, se trouve à gauche en contrôle. 5 sur 5. Dans la salle située derrière la statue à l'entrée du temple. L'entrée du temple. Ah, c'est peut-être celle-là. Oh, c'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là. Attends. L'entrée du temple. Peut-être que c'est celle-là au final. Oh, je vais en finir avec ce temple, j'en ai marre. Hein. Temple du feu, c'est bon. Hein. On connaît. Merci. C'est bon, c'est bon. Ça, ça doit être un truc de speedrunner. Oh merde, c'est de... Donc c'est à l'entrée du temple, dans la salle située derrière la statue. Éliminez les ennemis qui sont au fond de la pièce. Ah ! Ah mais j'ai déjà fait ça ! Oh, j'ai déjà fait ce truc à la con. 100% c'est ici en fait. Ouais non non hein, je crois que je les ai toutes. C'est une tâche de dieu. Non j'ai tout. Et là ce qui paraît. C'est dans la salle bah en face. C'est dans la salle en face, normalement t'as une grosse gélatine qui t'aspire là. Et elle est. Normalement elle est sur le mur. Là c'est bon, on l'a déjà tué. Bon bah c'est bon, je me casse. A priori j'ai tout. A priori c'est bon. Bon, du coup, suivant. Je vais sauvegarder déjà. Bon, je vais quand même revérifier. Carte. Normalement, quand t'as tout, il te dit boum boum boum. Sculptula. Sculptula, ok. Mais là, vu que j'ai vraiment tout exploré, a priori, voilà. Je sais pas, peut-être que c'est à moitié bugué. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, du coup, on va faire le temple suivant. Et le temple suivant, ça va être... attends, je réfléchis. Merde. Objet... Merde. Temple suivant, ça va être peut-être le temple de l'eau. Ou temple de la forêt ? Temple de la forêt, peut-être. La forêt, je crois qu'on n'a pas tout fait. Que je regarde... Ça c'est le temple de l'ombre, non c'est le puits. Temple de la forêt. Il y a combien de sculptures là? Il y en a 5. En gros, t'en as 5 dans chaque temple. Non merde.